Salut tout le monde! On espère que vous allez bien, Antoine, ça va? Et aujourd'hui, on va vous annoncer un truc de ouf. Écoutez-nous bien, juste avant de commencer la vidéo, on voulait vous annoncer qu'on va faire une séance dédicace! Yeah! Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, on a sorti un petit livre qui parle de toute notre histoire, voilà, de famille. Et du coup, avec Eva et Diana, on sera au salon du livre, écoutez bien, à Montreuil, c'est juste à côté de Paris. Pas très loin. Dans 93. Voilà, on vous met l'adresse juste ici. 128 rue de Paris à Montreuil, 93 100. J'ai retenu l'adresse. Je suis choquée. Donc on vous met tout ici. C'est juste à côté. N'hésitez pas à mettre sur le GPS et regarder à combien de temps vous êtes. Ça me ferait trop plaisir que vous soyez là. On pourra se faire des câlins, on pourra faire des photos. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de venir avec le livre. Si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas acheté, vous pouvez l'acheter déjà là-bas, au salon du livre. Voilà. Et vous pouvez aussi venir sans le livre et juste voilà, vouloir faire une photo ou une dédicace, etc. Enfin, voilà. On est très heureuse parce que ça fait bientôt 5-6 ans qu'on est sur YouTube, ouais. Et qu'on n'a toujours pas fait de meet-up, les amis. Voilà. Enfin, un premier meet-up qui, on espère, aboutira vraiment. Et là, on pense que oui, quand même. Non, là, ça va se faire, c'est sûr, parce que ça a été cadré et tout. Avec des vrais gens. Voilà. Et on est grave contente, vraiment. Très, très contente. On espère que vous êtes contente. On est hyper fatiguée, là. Ouais, de ouf. Il est 19h. Voilà. Elle vient de sortir de son conseil de classe. Et ceux qui habitent dans le sud ou loin de Paris et qui ne peuvent pas venir, je vois beaucoup vos stories, etc. Sachez que ce ne sera pas le dernier meet-up qu'on fera, peut-être qu'on en fera encore plusieurs, enfin c'est sûr. Et voilà, dans le sud et tout ça, donc faut pas être triste les amis. On devait en faire plusieurs des meet-up, mais à cause du Covid, on n'a pas pu. Et ça là, a été beaucoup retardé, le 5, ouais. Donc on n'a même pas dit la date. Là maintenant. On sera en meet-up le 5 décembre, le dimanche 5 décembre de 14h jusqu'à 16h à Montreuil, au salon du livre. Voilà, on vous met toutes les infos de toute façon sur la vidéo. Voilà, et même dans la description, vous pouvez aller voir. Voilà. On vous fait des gros bisous, on vous laisse avec la suite de la vidéo et on vous dit à très bientôt. Bisous. 5 décembre. Madame Zvarovski, s'il vous plaît. Salut. Oui. Et nous, on a fini notre partie. On jouera tout à l'heure, mon chat, d'accord? T'inquiète pas. Mon chat. Ah, il va marcher, ça va? Excusez-moi, c'est un petit peu le bazar. Je viens d'avoir une patiente. C'était une grand-mère. Oula. J'ai dû lui mettre une piqûre. C'était n'importe quoi. T'inquiète pas, on va pas faire ça, comme j'espère. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux expliquer toi-même? Oui, c'est moi. Mon chat, il m'a griffé partout. Tu dois pas dire ça. Tu dois dire ce que tu as. Où est-ce que t'as mal? Il y a un petit chat, il a mal au dos. Okay. Bon, je vais vous expliquer. Ma fille, elle fait du poney, d'accord. Et en fait, le poney, il était un petit peu excité. Et en fait, elle a fait un plongeon sur le sol. Et en fait, elle est tombée sur le dos. Et en fait, elle s'est fait très très mal. Elle s'est fait très très mal au dos, oui, effectivement. Mon bébé. Mon bébé. Quel âge tu as? 30 ans. Non mais, bon, je vais vous... Elle a 5 ans et demi. Non, j'ai 7 ans. Non, t'as 5 ans. J'ai 30 ans. Tu arrêtes? Non. Tu arrêtes. Ok. Ok, est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît, madame? Alors, madame Zorovski, comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, c'est mon mari a inventé cette marque. Et oui, nous sommes très très riches. Vous avez là? En plus, j'en ai un, regardez. Voilà, exactement, nous sommes très très riches. D'accord. Voilà, on est très très riches. Prénom de votre fille? Elle s'appelle Scarlett. Scarlett Swarovski, effectivement, nous avons choisi un prénom qui vient de la princesse Scarlett, voilà. De T? Oui, de T sans E bien sûr, parce que c'est Scarlett, c'est un American, ce n'est pas French, ok. Et votre prénom, c'est French? Moi? À moi? Stacy. C'est un prénom américain également parce que nous sommes riches et nous avons beaucoup de maisons en Amérique. Voilà, on y va très souvent. D'ailleurs, les sourcils, Thomas. Maman a payé très cher pour ses sourcils. Scarlett, tu arrêtes. Hein. Voilà. Okay. Tu te tiens correctement, maman, elle a dit. Jambes croisées, les femmes s'assoient. Jambes croisées, voilà, exactement. Exactement, ma chérie. Les deux mains sur les genoux. Évidemment, les cheveux derrière.
les épaules toujours. Voilà. On reste droite. Exactement. Je pense que c'est plus pour ça qu'elle a mal au dos. Non. Tu rigoles? Tu rigoles pas? Scarlett! Maman va se lâcher. Tu n'auras plus d'argent de poche. Je vais te confisquer ton téléphone, ton iPhone 13. Oui, il n'est pas encore sorti, mais nous l'avons déjà, l'iPhone 13. Bon, écoutez. Parce que c'est une famille riche qui nous l'a confié. Moi, j'ai plus leur chose à vous dire. Déjà, vous êtes venu. Enlever votre masque parce que je ne comprends pas ce que vous dites. Déjà, vous êtes venu sans masque. Oui, parce que nous sommes des personnes très très riches et nous ne pouvons pas attraper le Covid, d'accord? Ça n'existe pas. Alors, nous avons payé des très chers médicaments et nous avons pris tous les médicaments les plus chers du monde pour ne pas attraper le Covid-19. Ok, alors moi je vais très vite, ça va très vite me gonfler, d'accord, parce que je m'en fous complet de votre vie. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de savoir ce qu'elle a, depuis combien de temps elle a mal, et vous m'expliquez ce qu'elle a à votre fille. Moi je m'en fous de votre vie. Je m'en fous de ce que vous avez fait hier, de si votre fille a un iPhone 13 ou un iPhone 10. Attendez. Vous ne pouvez pas parler comme ceci à une famille Swarovski, ok? Regarde tout le monde qui a posé. D'accord. Donc mais si vous voulez parler d'argent, moi aussi, écoutez, j'ai de l'argent, je suis docteur, je suis médecin. D'accord. Vous croyez que je n'ai pas d'argent? Bien sûr que si, mais je ne vais pas le montrer à tout le monde parce que je m'en fous. D'accord, mais en tout cas, ma fille, elle est tombée droite, Scarlett, droite. Ce que nous devons vous expliquer, c'est que ma fille a un problème de dos. Elle ne peut pas avoir ce problème-là parce que nous sommes une famille très riche et les riches n'ont pas de problème de dos. Excuse-moi, Scarlett, est-ce que tu arrives à supporter ta mère? Non. Tu peux aller t'asseoir là-bas, s'il te plaît, t'as mangé. Merci. Tu marches correctement, monsieur? Exactement. Non. Jambes croisées. Cheveux. Très bien, ma chérie. Là, il faut s'allonger. Faut s'allonger? Faut s'allonger. Oh, mais c'est d'accord. Comment elle dort? Elle dort bien la suite. Ma fille, tu vas t'allonger, ça va très bien se passer, d'accord? Exactement. Parfait. Elle est prête. Alors, ma petite Scarlett, comment ça va? J'ai un peu mal au dos. Au dos juste, pas aux jambes? Yes. De quoi, yes? Yes. Ça va où? Au dos. Et pas aux jambes? Non. Qu'au dos? Yes. On va écouter ton petit cœur un peu? You are very beautiful, Scarlett. Thank you, Mom. Vous vous êtes désinfecté les mains avant? Parce que je vous dis ça parce que ce petit chemisier qui est là coûte 3 800 €. Écoutez, je ne peux pas commencer à continuer à parler. Donc soit vous sortez de la salle, soit vous vous taisez. Merci. Je vous préviens juste que ce qu'elle porte coûte trop. J'en ai rien à faire. Calme-toi, Scarlett. Il faut se détendre. Assieds-toi. Lève-toi. Voilà. Cheveux derrière. Écoutez! Oui. Je commence à en avoir ras-le-bol. J'ai déjà vu Monsieur Swarovski venir ici. On n'a jamais eu de problème comme ça avec votre fils et lui. Alors pourquoi j'ai un problème avec vous? Vous croyez que vous êtes qui? Je suis la femme de Monsieur Swarovski, ok? Eh ben Monsieur Swarovski est beaucoup mieux que vous. D'accord, vous d'accord, c'est très bien. C'est moi qui l'ai éduqué. Allez, ma petite, mets tes jambes normales, s'il te plaît. Tes mains normales aussi, détends-toi. Ok, ça va bien se passer. Respire. Je peux pas voir ça. Et souffle. Je peux pas voir ça.
Bon, vous êtes sûre que vous allez bien? Vous voulez pas qu'on regarde votre pension? Non, ça va. Voilà, très bien. Je préfère. Voilà, voilà ma fille, attention tes cheveux. Très bien. Exactement. Regarde, tu veux mettre ça dans tes oreilles et écouter? Miséricorde, non. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que vous avez mis ça dans vos oreilles. Elle ne peut pas mettre ça. La famille Zolowski, Scarlett Jackson, ok, parce qu'elle s'appelle Scarlett Jackson, comme Scarlett Jackson, d'accord, ne peut pas mettre ça. Ma fille, je dois te laisser. Je dois aller passer un coup de fil, d'accord? Les gardes du corps attendent en bas, d'accord? Okay. Il faut que je leur dise, ok? Bisous, mon chat. Kiss. Kiss you, mom. Je reviens dans 5 minutes. Bye bye. Bye, mom. Elle est quand même insupportable, ta mère. Déjà, des petits cheveux. Hop. Allez, moi, mon enfant, s'il lui dit de faire ça, il va me dire hop. Oh, maman, tu prends les où? Ma mère qui me fait obliger. Ok, je vais appuyer sur un endroit et tu vas voir qu'en un claquement de doigts, tu vas aller mieux. T'es prête? Jusqu'à la chaise, tu marches normal, tu n'es pas obligé de marcher comme ta mère t'a dit. Jusqu'à la même, la chaise. Tu reviens. Je te refais. Bien comme il faut. Voilà. Est-ce que tu as mal? Non. Touche tes pieds avec le... Ça fait mal? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre rendez-vous chez l'ostéopathe, ok? Ça va aller mieux, tu verras. On va prendre le rendez-vous chez l'ostéopathe et chez le kiné. 1, 2, 3, tire. Maman est de retour. Tire. Qu'est-ce que vous faites? Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Stop. Stop. Très bien. Enlève les... Stop. Quoi? Qu'est-ce que vous faites à ma fille? Les étirements. Scarlett! Tu n'as pas fait ça, j'espère. Tiens, ta droite. Est-ce qu'elle est alarmée? Non. Vous laissez cette jeune fille tranquille. Vous ne touchez pas son chevillier. Vous le touchez où alors? Vous ne touchez pas ma fille. Si. Ouais. Je suis médecin, vous la ramenez chez... Vous avez qu'à la ramener chez un médecin. Est-ce que vous avez fini? Parce qu'on doit y aller. Vous avez quoi à faire? Nous sommes attendus aux Champs-Élysées. Ils organisent une super cérémonie pour nous. Notre défilé de mode. Je défile. Pour Yves Saint Laurent. Et pas pour Swarovski. Palais à un défilé de mode tout de suite, elle va vous montrer. Marche. Marche comme il faut, ma chérie Scarlett. Je vais faire une crise cardiaque. Non, 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 non. Regarde maman, apprends. That's. Yeah, good afternoon. Tournant, tournant. That's. Good afternoon. So long. Okay. Go. That's. Yes. Good. But. Scarlett. Sois à l'aise, d'accord? On y va, d'accord? Tu es prête? Okay. Okay. Elle dort. Yeah. Elle dort comme ça. Oh mon Dieu. Regarde les trous. Oh, c'est de la poupiette. Non, je peux pas avoir ça. Allez, viens. On va aller à la poupiette. Je suis au champ. Oh là là. Super. Je vais lui laisser un peu d'argent quand même parce que nous sommes riches et nous pouvons se le permettre. Hop. Je vais lui laisser 300 euros. Allô? Vous m'attendez à la limousine. D'accord. Scarlett, il nous attend à la limousine. D'accord. C'est ta limousine préférée, la rose. Allez, ma chérie. C'est plutôt que la rose. Exactement. On va changer.